j'ai une bonne nouvelle pour toi. Salut, salut la grande famille, ici c'est votre frère Miché, résident dans une des villes de la République démocratique du Congo. Et sans plus tarder, on vous a amené encore une nouvelle chanson de papa Michel Bakenda, Calcul. Le guitariste, il a appliqué les dixièmes et les octaves. Bon, commençons par les octaves. Les octaves, il s'agit de jouer des cordes, mais qui donnent les mêmes sons, différence de tonalité. Par exemple, vous écoutez. Je suis avec les octaves. Il y a une différence par rapport à l'octave. Quand je suis au dixième, c'est juste un rappel. Tenir des notes, ça dépend de tout et chacun. Chacun a sa manière de tenir. Alors, si vous êtes habitué de tenir entrement, je sais que moi, je tiens ici. Sentez-vous à l'aise. L'essentiel, c'est de donner un son qui est agréable à l'oreille. C'est tout. Commençons à la partie où il a utilisé le dixième. Voilà. Après cela, passons au niveau des octaves.
C'est maintenant lorsqu'il est en train de faire les solos vocales. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez cette note sol dièse parce qu'on est à do dièse. Je dis toujours sur des notes qui sont neutres, donc ça peut se jouer à n'importe quel moment. C'est pourquoi vous voyez quand je joue. C'est un peu ça pour aujourd'hui. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas à dénoncer dans les commentaires. S'il y a des remarques, des choses qu'on doit ajouter, il faut toujours lancer dans les commentaires. Sans oublier, il faut liker, abonnez-vous et partager massivement. Je dis bien, liker la vidéo, abonnez-vous. Et partager massivement, c'est une manière pour vous de nous encourager. Nous vous remercions. À la prochaine.